şey Bienvenue dans cette nouvelle vidéo construction avec histoire, bien sûr. <laughs> ça faisait longtemps. Alors voilà, on se retrouve après une semaine de pause. Bon, euh, pause qui n'était pas voulu, mais voilà, il y a eu des problèmes de santé dans ma famille et il a fallu qu'on se serre un peu les coudes. C'était pas facile, mais on a tous bon espoir que ça aille par la suite. Donc euh, je suis rassurée, je suis prête à refaire des vidéos et à enfin, du coup, vous proposer ce speed build que je vous avais annoncé dans la précédente vidéo, je crois. Donc la maison et la famille que vous avez vu en intro ici, euh, ce sont les prochains sujets d'un futur machinima. Et puisque j'ai quand même été pas dans le détail pour créer cette maison parce que je voulais une maison euh, qui fasse euh, euh, pas de première fraîcheur voilà je voulais un truc qui se passe dans les années 90 et 90 pour les français j'ai cherché une maison qui allait plus ou moins dans ce style sur la galerie j'ai pas trouvé donc euh, je l'ai faite moi-même <laughs> et ça aurait été triste de pas vous la montrer donc euh, je vous la montre aujourd'hui mais alors évidemment je vais pas raconter l'histoire de cette famille ici mais plutôt des anciens propriétaires hein. parce que oui une maison ça change de main, euh, quoi toutes les quatre décennies je sais pas <laughs> mais ne vous en faites pas leurs prédécesseurs ont aussi pas mal de choses à vous raconter et j'ai hâte de démarrer! <laughs> Alors, j'ai pas eu l'occasion de vous le rappeler avec tout ce qui s'est passé, mais comme chaque mois, il y a un concours sur Instant Gaming pour gagner le jeu de votre choix hein, sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur euh, Origin, Steam, euh, Xbox, enfin, qu'importe. Vous avez quelques jours pour participer, et le lien est dans la description. Et si par contre vous voulez tout de suite acheter des jeux, ils peuvent être jusqu'à 70% moins chers sur Instant Gaming, donc n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description pour faire des économies, et euh, en plus, bah, ça soutient la chaîne, donc euh, merci beaucoup à vous. Voilà, on va pouvoir commencer! <laughs> Martha? À un secret et plus les années passent plus l'envie de le révéler devient forte. Bah oui, elle vieillit et elle aimerait finalement partir à la conscience tranquille en sachant que tous ceux qui auraient dû connaître une certaine information la connaîtraient bien avant qu'elle parte. Au début, les raisons de garder ce secret lui semblaient logiques, ou alors oui, c'était peut-être juste plus simple comme ça. Le mensonge permet d'éviter pas mal de questions. Ça ou alors à l'époque elle avait un peu honte. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, à 73 ans, 73, <laughs> Martha avait toujours ce secret sur la conscience. Dans sa belle demeure, bien entretenue et spacieuse, les pensées de la vieille dame tournaient en boucle. Jusqu'à ce que son fils, Yvan, jeune entrepreneur de 45 ans, l'arrache à ses pensées. Yvan était toujours content de rendre visite à sa vieille mère. C'est vrai que revenir dans la maison de son enfance, ça réveillait à chaque fois de bons souvenirs. Et même si sa mère avait tendance à alourdir la conversation avec ses radotages, Yvan se sentait bien dans cette maison. Et il était à peu près sûr que cette maison ferait le bonheur d'une autre famille. D'ailleurs il aimerait que cette éventualité arrive assez rapidement. Sa mère, qui racontait encore une fois les déboires du chat de la voisine mort il y a 5 ans, n'apprécia pas vraiment qu'il revienne sur le sujet. Parce que oui, c'était pas la première fois qu'il mettait l'idée sur la table. Cette maison, elle est trop grande pour sa vieille mère. Il y a trois chambres, les parties communes sont assez grandes, c'est lourd pour elle. Enfin tout ce ménage, ça doit l'épuiser, non Martha, évidemment, nie aussitôt. Elle est encore très active, hein, puis 73 ans, c'est pas si vieux que ça d'abord. Alors elle rembarre son fils en disant qu'ils en reparleront dans 10 ans. Mais Yvan, il lâche pas aussi vite l'affaire, hein, non. Il a d'autres arguments. C'est pas nouveau, Martha aimerait que son fils passe plus souvent. Mais elle est quand même très isolée, hein. Lui, il habite en ville, elle ici, elle est dans un petit quartier résidentiel très très éloigné et il a plein de choses à faire, c'est un homme très demandé, donc si elle pouvait prendre un petit appartement plus proche de chez lui, tout le monde s'y retrouverait. Ça lui plombe ses journées à chaque fois de faire une heure de route pour arriver chez sa mère, une heure pour le retour, et en plus il reste sur place pendant 3-4 heures, hein, voilà. Donc c'est à chaque fois une journée où il ne peut pas être productif et euh, en tant qu'entrepreneur et surtout indépendant, il aimerait pouvoir travailler non-stop pour faire décoller son affaire. Là aussi, Martha fait un petit geste de la main désinvolte, son fils se débrouille très très bien dans les affaires, et puis elle a toujours dit qu'il travaillait trop. Ouais. Elle trouve d'ailleurs que c'est justement pour lui une bonne occasion de faire une pause. <laughs> bon, Yvan soupire, il a l'habitude, mais il espère à chaque fois que la réponse finale de sa mère changera. Bon, apparemment pas, hein. elle est bien accrochée à sa brique. Donc ce soir-là, Yvan rentre chez lui, encore un peu énervé de cette conversation qui n'a abouti à rien pour changer. Cet entêtement, franchement, ça l'agace. D'autant plus que la bulle immobilière qu'il a repérée ici, elle va pas rester en place indéfiniment. Comme toutes les bulles, elle doit exploser. Et ici, c'était une occasion en or quoi. Là où habite Martha, en périphérie de la ville où son fils a élu domicile, il y a un problème de bâtiment assez vieillissant. Et ça fait quelques années, du coup, que l'État se lance dans un projet assez colossal de destruction. Certains bâtiments sont en si mauvais état que pour éviter tout risque, bah, c'était la seule solution. Mais voilà, à côté de ça, l'État n'a pas pour autant reconstruit, bah, ce qui fait que du coup, il bah, n'y a plus assez d'offres par rapport à la demande. Il y a plein de petites familles qui aimeraient se loger, et bah ça devient clairement une course pour avoir les derniers bâtiments libres. Et qui dit forte demande, dit du coup prix qui augmente. Et du coup, la maison familiale de Martha, elle a triplé de prix. Oui. Rien que ça. Les prix sont tellement ridiculement hauts que tout le monde s'est empressé de vendre. Sauf Martha. Et ça rend son fils complètement fou. Ça le rend tellement malade de passer à côté de cette opportunité que du coup le soir même, il rappelle sa mère. Et il lui explique que cette bulle, elle est super fragile. Là, l'État, il commence à se rendre compte qu'il y a un gros problème au niveau des logements. Et donc, il va finir par le régler. Et dans ce cas-là, ben, ils seront passés à côté d'une super opportunité. La maison va perdre de sa valeur puisqu'il y aura de nouveau assez de logements. Bref, il faut faire vite. Réponse de la maman, non. Et avant de raccrocher, il lui dit « Ah, tu feras ce que tu voudras quand je serai morte, laisse-moi tranquille. » Bon d'accord, cette maison finira bien par lui appartenir, mais s'il se réfère à ses grands-parents qui étaient tous centenaires, il sera peut-être lui-même dans la tombe avant de pouvoir faire ses plus-values. <laughs> ouais, il y a un gros problème de longévité dans cette famille. <laughs> Le lendemain, après une mauvaise nuit, Yvan retourne travailler. Il est à la tête d'une usine de prototypes informatiques, et c'est un milieu où la concurrence est vraiment très très rude. Du coup oui il arrive à dégager des bénéfices, mais bon euh, il est loin de gagner des mille et des cents par mois. Il est parfois même très limite. Alors euh, de savoir qu'il y aurait potentiellement quelque chose derrière lui avec la vente de la maison de sa mère, bah ça lui donnerait une certaine stabilité qui pourrait un peu lui accorder une sérénité dont il a franchement besoin. En plus, en ce moment, il y a plein de problèmes de livraison avec des euh, produits qui doivent venir d'Inde et qui euh, n'arrivent toujours pas, ce qui le stresse d'autant plus, hein, parce que par conséquent, lui, eh ben, il prend du retard sur ses prototypes informatiques et ses clients tapent du poing sur la table. Ouais, en ce moment, ça va vraiment pas. Si au moins il savait pourquoi ses livraisons avaient du retard, ça l'aiderait peut-être à apaiser ses clients. Mais là, l'Inde, elle reste super vague et à chaque fois qu'il pose un peu trop de questions, ça raccroche. C'est pas très commercial tout ça. Hein. Enfin bon, de toute façon, ils travaillent sur de nouveaux contrats avec la Chine. Peut-être que eux seront plus efficaces. Heureusement pour Yvan, ce mystère va vite être résolu. En effet, la semaine suivante, le journal télévisé informe les téléspectateurs d'une nouvelle qui pourrait être effrayante. L'Inde se trouve actuellement dans une situation sanitaire très complexe. Il y a une nouvelle petite maladie qui se balade sur le territoire et le gouvernement a l'air de paniquer, parce qu'en effet, bah, tout est fermé. Maintenant, les habitants des grandes villes ne peuvent sortir que et seulement que pour faire les courses. Le reste du temps, si c'est possible, ils ont interdiction de sortir chez eux et de trouver tout autre moyen pour travailler et continuer à vivre plus ou moins normalement de chez eux. Bon, au moins, ça a le mérite d'expliquer pourquoi les livraisons n'arrivent pas. Hein, tout est bloqué, tout est fermé, et puisqu'apparemment, les échanges commerciaux ne sont pas essentiels dans cette situation, Yvan va pouvoir s'asseoir dessus. Bon, heureusement, ça se passe bien avec la Chine pour le moment, et il est content d'avoir pris les devants assez rapidement. À côté de ça, le reste du monde observe l'Inde se dépatouiller avec cette maladie, euh, non sans un certain euh, jugement. Oui, il trouve franchement que l'Inde a adopté des mesures euh, un peu trop extrêmes pour la situation, d'autant plus que les nouvelles au niveau des scientifiques semblent euh, plutôt rassurantes. Hein. Ce n'est pas une maladie extrêmement mortelle et la tendance du coup à toucher que les plus faibles, c'est-à-dire bah, les personnes âgées. Finalement, il euh, y a plein d'autres petites maladies qui euh, peuvent vite mettre à terre les personnes à partir du moment où elles ont un certain âge. Donc, est-ce que l'Inde exagère pas un petit peu sans doute, sans doute. D'accord, cette petite maladie a l'air d'être une petite rapide, mais bon, elle est vraiment pas très mortelle. Mm. Et donc, c'est sur un ton plein de condescendance que le journaliste clôture le sujet. Pourtant, il ne va falloir que quelques jours pour découvrir des cas de cette maladie un peu partout ailleurs. D'abord dans les pays voisins, bien évidemment, euh, mais très très rapidement, trop rapidement, partout ailleurs. Il n'y a finalement aucun continent qui y réchappe. Il y en a un peu partout, mais pas de panique, la situation est sous contrôle. Et quelques semaines plus tard, Yvan, qui pensait avoir été malin ne peut déjà plus compter sur la Chine pour le fournir. Bah oui, la Chine aussi ferme ses portes. Évidemment, les clients d'Ivan sont furieux. Il a de plus en plus de retard et puisqu'il ne peut plus honorer ses contrats, ben ceux-ci sont annulés. En plus, ça commence à se savoir et du coup, il n'a plus de nouvelles commandes. Les revenus d'Ivan baissent et ça commence vraiment à être la galère. Alors ne serait-il pas temps d'aller encore une fois insister auprès de sa petite maman pour vendre cette de maison. <laughs> Martha est très triste d'apprendre la situation dans laquelle se trouve son fils, mais il est tout à fait hors de question qu'elle vende sa petite maison adorée. Elle y vit depuis ses 28 ans. Sa vie a imprégné tous les murs de cette maison. C'est la sienne. Et puisque ça, elle se sent appartenir à cette maison. Mais là, Yvan, euh, il n'est pas prêt à faire du sentimentalisme. Hein. Non, euh, il est furieux et il insiste auprès de sa mère en disant que franchement, elle n'a pas de cœur, elle va le laisser se retrouver à la rue sans rien. Alors elle lui dit que non, bien sûr que non. Il pourra venir habiter avec elle si ça va vraiment pas. Gros silence de la part d'Ivan. Hein. Revenir chez sa mère à 45 ans, euh, voilà, c'était pas vraiment dans ses projets. Ce soir-là, le fils de Martha va se coucher avec une colère grandissante dans l'estomac. Ça fait une sorte de petite boule dans son ventre qui a l'air d'aspirer tous ses autres organes. En fait, ça aspire tout, toutes ses pensées positives, et il n'y a plus que... Les négatives qui restent, et il voit avec d'autant plus de netteté la situation dramatique dans laquelle il se trouve. Situation qui va faire travailler son imaginaire. Et en pleine nuit, il se réveille avec une terrible idée en tête. Il essaye de la repousser, c'est vrai, mais son inquiétude est telle qu'il ne peut pas totalement l'ignorer. C'est jour de visite pour sa mère. Yvan va donc faire quelques courses, comme à son habitude. Elle a toujours besoin d'une ou deux petites choses. Et on pourrait croire qu'il fait ses courses normalement. Pourtant, alors que la situation voudrait qu'il prenne ses précautions, Yvan est particulièrement proche de tous les clients et caissiers. Si quelqu'un éternue, il s'approche. Si quelqu'un semble malade, il engage la conversation en s'approchant d'un air conciliant, en s'approchant trop. Bref, Yvan fait tout pour tomber malade. Et en arrivant chez Martha, il dépose les courses avec un certain enthousiasme. Quant à Martha, elle est si heureuse de le voir qu'évidemment, elle lui fait un gros câlin. Après tout, c'est pas une petite maladie qui va les empêcher de vivre, hein. Elle a survécu à bien pire que ça. Et puis Yvan lui assure de toute façon qu'il prend toutes les précautions nécessaires. Mais oui <laughs> Un peu plus tard, alors qu'il se soulage la vessie, il n'hésite pas à tout toucher les rideaux, les meubles, et il va même jusqu'à se coucher dans le lit de sa mère, en respirant profondément dans son oreiller. Alors c'est pas un monstre, hein. Bien sûr, il se sent mal de faire tout ça. Mais après tout, il lui a quand même laissé beaucoup de chances de montrer son bon cœur, ce qu'elle n'a pas saisi. Alors oui, ce qu'il fait c'est mal, mais elle n'a pas été sympa, non Bon, il essaye de se trouver des excuses, mais euh, sa conscience le travaille quand même. Il y a peu de chances finalement qu'il ait réussi à tomber malade en une seule journée, mais bon, euh, il ne va pas s'arrêter là. Chaque jour, il va multiplier les rencontres et les interactions sociales. Et alors que les discours de l'État se font de plus en plus inquiétants, Yvan continue à faire aussi peu preuve de civisme que possible. Et un jour, effectivement, il se sent beaucoup moins bien. D'après ce qu'il en sait, il a les symptômes de cette fameuse maladie. Quand il retourne chez sa mère, il utilise plusieurs subterfuges pour lui cacher son état. Il se met un petit peu de rouge sur les joues pour se donner bonne mine, même s'il a le teint cadavérique en ce moment. Il cache sa toux en explosant de rire à des moments assez peu opportuns, ce qui lui donne l'air un peu dingue, c'est vrai, mais ça donne le change. Et sa mère l'enlace toujours avec autant de force. Et puis les heures et les jours passent, et il est de plus en plus certain d'être contagieux. Et un soir qu'il se félicite dans son salon, en pensant à tous les investissements futurs qu'il pourra faire avec cet argent, Martha l'appelle. Il n'a pas pris de la peine de regarder les infos aujourd'hui, mais elle si, et elle semble très inquiète. Elle est inquiète et aussi mal à l'aise, parce qu'elle doit lui avouer quelque chose. Un secret qu'elle pense à lui dévoiler déjà depuis un petit moment, mais qu'il semble urgent de révéler à présent. Alors elle prend une grande inspiration et se jette à l'eau. Yvan, ton père, celui qui t'a élevé, n'était pas ton père biologique. Hein Mais qu'est-ce qu'elle raconte il se trouve que Martha sortait avec un étudiant pendant ses études et que lorsqu'elle est tombée enceinte, euh, il n'a pas voulu assumer sa paternité et il est parti. Évidemment, elle était effondrée, mais un de ses meilleurs amis, qui deviendra son mari, lui a alors avoué ses sentiments et il lui a promis que si elle acceptait de l'épouser, il ne l'abandonnerait jamais, elle mais aussi son bébé. Il l'éleverait comme son propre fils. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie, avant de décéder il y a trois ans seulement. Yvan ne revient pas. Pourquoi le lui avoir caché Bah, à cette époque-là, avoir un enfant hors mariage, ça se faisait pas vraiment, et son meilleur ami, qui est finalement devenu son mari et, et son plus grand amour, tombait plutôt à pic. C'était plus simple de nier l'existence de cet ex, qui de toute façon ne reviendrait jamais. Mais voilà, avant de partir, Martha avait demandé au père biologique d'Ivan s'il souffrait d'une quelconque maladie, histoire de savoir si son enfant à naître aurait un quelconque problème génétique. Et effectivement, il y avait un petit souci récurrent dans la famille. Tous les hommes avaient tendance à faire de l'hypertension à partir de 40 ans, et une hypertension grave qu'il fallait extrêmement bien surveiller, au risque de par exemple faire des AVC. Et si sa mère lui en parlait aujourd'hui, c'est parce qu'au journal, il venait d'annoncer les facteurs qui pouvaient aggraver les symptômes de la maladie, qui se répandait partout dans le monde. Et parmi ces facteurs, il y avait l'hypertension. Alors, elle ne voudrait pas inquiéter son fils, mais elle a l'impression, elle, d'avoir quelques symptômes. Et donc, même si ça lui en coûte énormément, elle le conjure de ne pas venir la voir. Parce que si elle est positive, et que son fils a effectivement de l'hypertension grave, elle ne veut pas lui transmettre la maladie. Elle a peur pour lui. Bon, ça fait déjà à peu près 5 minutes qu'Yvan pleure au téléphone silencieusement, et en plus d'être noyé sous une vague d'émotions, il se sent vraiment, mais alors vraiment très con. <laughs> Et deux semaines plus tard, quand Ivan prendra sa dernière respiration avant de quitter ce monde, il ne pourra s'empêcher de penser que le karma est parfois très violent. Et c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Je vous fais de gros bisous et bien sûr, abonnez-vous.